Hello, my wonderful people. The popular footballer they call Bakayoko, who they play for AC Milan, where police arrest for Milano, don't come out to talk in your part of the story. He experienced what happened that day. So the guy talks, say the video will go viral, where everybody watch, and the part will be say everything don't come. He say what happened that day, he over escalate. To me, I believe say now because of his skin color, because say black man, the red expensive car. He said because the control it not be like normal control. He said they come with the ask the papers of a car. And second, they even point weapon direct to Ram. He can need to just obey, made them do their control. He said, I wish they not realize, say in a footballer, you know they popular, they don't know I'm waiting go for happen. I wish that normal person can ride that expensive car. Just like the way we say I talk for my video. I wish not just normal person they ride that car, waiting go for happen. Before you know it, you don't go chop 1 year, 2 years. And it talks say it no good make people life dead at risk. Make a live when I make when I watch the video. Or don't have French. Je vais vous faire une petite vidéo par rapport aux événements récents. À cette fameuse vidéo que vous êtes nombreux à avoir vue sur les réseaux sociaux, sur un contrôle, une arrestation dont j'ai fait l'objet. Les autorités de Milan ont communiqué récemment que c'était une erreur. Une erreur des policiers qui s'en étaient rendu compte sur le moment. Faut savoir que l'erreur est humaine, j'ai aucun problème avec ça. En revanche, la manière et la méthodologie qui a été utilisée me pose problème. Me pose problème parce que je trouve que ça allait plus loin que ça aurait dû. Pourquoi n'ont-ils pas tout simplement fait un contrôle digne de ce nom en demandant les papiers du véhicule en communiquant, tout simplement, plutôt que... faut savoir que dans la vidéo qui a été mise sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout. Et je pense que c'est la partie la plus calme de tout ce qui a pu se passer. Faut savoir que je me suis retrouvé avec le flingue à un mètre de moi, côté vitre passager. Donc, ils ont clairement mis nos vies en danger. Peu importe les raisons qui les ont poussés à faire ça, c'est une erreur, sachant que tu n'as aucune certitude sur les suspects appréhendés. J'ai mon avis là-dessus, encore une fois. Mais les conséquences auraient pu être tellement plus graves si j'avais pas gardé le calme que j'avais. Qu'est-ce qui serait passé derrière si j'avais pas la chance de faire... le métier que je fais et d'être reconnu à temps, quelles auraient été les suites de tout ça? Est-ce qu'on m'a ramené au poste? Ça donne matière à se poser énormément de questions, encore une fois. Donc, c'est pas acceptable de mettre autant en danger des vies. Et c'est le point que je veux souligner, malgré le fait qu'ils disent que ce soit une erreur et que je peux comprendre cela. Derrière, les conséquences auraient pu être tellement graves. Et je voulais surtout aussi remercier toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien. Ça fait énormément plaisir. Et ça montre qu'il y a matière à se poser des questions par rapport à tout ce qui a pu se passer. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction d'où vous êtes dans le monde.